Cela fait 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la Cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça? Ça va bien, Excellence? Ça va? Quelle émotion! Décontracté, les deux personnalités ont eu un entretien des 2 heures. Et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis j'ai dit que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuve dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie et bien au-dessus de preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Non, ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer, pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco en Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous vous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui, être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK s'élance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation.